sur Passion NAC Aube. La chronique reptile. On vous fait ce petit message parce qu'on est la planète Terrariophilie est en ébullition. Exactement. Aujourd'hui. Bah pourquoi? On va dans le nord. Réellement, alors non, il est 6h pour vous. Là. Alors là, il est 6h et on est le dimanche 21 juin 2015. Qu'est-ce qu'il y a le dimanche 21 juin 2015? Qu'est-ce qu'il y a le dimanche 21 juin 2015? La bourse d'Arras. La bourse d'Arras, c'est le reptile d'air Arras. Et donc tu disais, il est 6h. Pour 6h. Vous, là maintenant, il est 6h. Là, il est 6h. Bon. En réalité, pour nous, les dimanches après-midi. Tranquillou. Non, c'est plutôt qu'on s'était dit, ouais, on va enregistrer une émission juste avant de partir. Mais on le sentait pas ouais, trop. Le temps de l'uploader, tout ça, on s'est dit, si ça foire. Ah, on la sent pas. Et puis 6h du mat, on risquait d'avoir un petit peu les traits tirés, etc. Donc oui, aujourd'hui, le grand jour est arrivé pour la planète reptile. C'est le Reptile Day. Le Reptile Day. D'Arras. Donc comme on vous avait indiqué, on va décoller là. Le décollage est prévu à 6h du mat. Voilà, pour arriver vers 9h, 9h30. 9h, 9h30 avec une pause pipi, pause café, pause flop, etc. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, Rudy? Plein de trucs. Des fournisseurs, on va parler un peu à tout le monde, je pense. On va retrouver des abonnés. Ouais, il y a des rendez-vous de fixés, il y a des gens qui nous ont contactés, je crois. C'est ça. Donc, plus on sera, mieux c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. L'objectif de ce déplacement, c'est de présenter aux personnes qui habitent à la famille du Sud ou à d'autres personnes qui ne peuvent pas se déplacer à ce Reptile Day, et surtout à nos YouTubers. Cette fameuse foire, expo, bourse, etc. Une bourse. D'ailleurs, je vais rebondir sur ta petite phrase quand t'as dit. Tant que c'est pas sur moi, ça m'assure. Quand t'as dit venez nous voir, oui, venez nous voir, parce que nous, on connaît pas les têtes de tout le monde. Donc si des c'est gens vrai. Nous reconnaissent, on va pas forcément vous reconnaître, parce que sur les pseudos YouTube, on sait pas, ou Facebook. Yotab, ça me... YouTube. Bon, donc voilà. Venez nous voir, en fait, on est là. Donc sans aucun problème, on va aller voir Tropical Animals. Exactement. On va voir tout le monde, hein, le plus de monde possible. On va aller voir notre partenaire également, les éditions Animalia, où on vous a présenté dans la dernière émission les différents ouvrages qu'ils nous avaient mis à disposition. Exactement. Et puis bah voilou. Surtout faites attention sur la route. Non, c'est parce que je me suis dit si on peut. On essaiera de balancer en direct une ou deux petites vidéos du portable. Ouais. Donc, comme en France, niveau technologie, c'est pas trop ça. Technologie, t'es un j'ai peu. J'ai vu qu'aux États-Unis. DJ Rudy. Petite information, j'ai vu qu'aux États-Unis. Alors, tu parles pas de jingle si information ça... Non. Je pourrais peut-être mettre un petit jingle. Tu es un des souvent de. Soit je suis arriéré en France et je suis pas au courant de toute la technologie, je suis un mec sur YouTube qui. Là qui fait un road trip, bref, c'est un Canadien. Et en fait, quand tu vas dans les tabacs aux États-Unis, tu peux acheter un petit boîtier de 10 gigas que tu branches qui te permet d'uploader tes vidéos. Ah ouais. Alors je crois pas que ça existe en France. Non. Et le mec donc qui fait son road trip et comme il a pas des connexions partout, il va au tabac et il demande un petit truc 10 gigas comme une carte téléphone et ça lui permet de lancer. C'était la minute technologie, voilà. Donc rendez-vous pour le Red Tag Day dans 3h30 à Arras. C'est ça. Donc à tout à l'heure. Allez, ciao, bye bye. Ciao.